Alors, CIMA, le campus de l'industrie et des métiers d'avenir, donc c'est un projet qui date d'avant 2021, ça doit être fin de 2021, autour d'une table. On s'est retrouvés à plusieurs à discuter de ce qui nous paraissait nécessaire pour mettre en avant l'industrie, les quelques formations qui sont dans une étape charnière et pour lesquelles on a besoin de main-d'œuvre et on a besoin de monter en technicité. Donc l'idée est venue de là et puis il y a eu un appel à projet qui s'appelait Challenge d'industrie, territoire 4.0, qui cadrait un petit peu avec notre idée. Et finalement, donc, on s'est posé autour d'une table, on a écrit le projet, on l'a déposé, et il a été retenu, on a été lauréat. Et puis finalement, donc, après en avoir parlé longtemps, on s'est mis sérieusement autour de la table. On a lancé les appels d'offres, ça a été suivi. Et on a la finalité aujourd'hui, donc la création de deux plateformes. Une plateforme mobile sur la maintenance industrielle et une plateforme fixe sur la soudure, toutes les deux 4.0, qui sont destinées à être des outils de démonstration dans un premier temps, mais aussi de formation. L'objectif maintenant est, une fois qu'on aura développé et déployé les deux plateformes, ça va être d'écrire des contenus de formation qui puissent aller du CAP jusqu'au niveau 6, de manière à monter en compétences les élèves et les apprenants du valenciennois. Mais pas que, parce qu'on espère faire des petits et faire la promotion de ces plateformes au dehors du territoire valenciennois.